Salut les techniciens, c'est Hamslow, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui on va se retrouver évidemment comme tous les jeudis pour ouvrir nos récompenses Fut Champion et nos récompenses Division Rivals. Et évidemment cette vidéo est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre le football. C'est toujours gratuit et le lien se trouve toujours dans la description. Je vais pas trop revenir sur ce week-end de Fut Champion étant donné que j'étais un peu déçu de ce que j'ai fait. Du coup on va tout de suite parler de la Team House Week qui pour moi en tout cas est très très bien. Alors forcément le joueur phare, le joueur que t'as envie d'avoir, que ce soit dans les cartes rouges ou dans les cartes vendable ou non vendable, c'est évidemment Messi. Mais il y a d'autres joueurs qui sont pas mal, je trouve. Sancho, évidemment, voilà, j'ai pas sa version Future Star, et sa version Future Star coûte très très cher, donc pourquoi pas l'avoir en rouge, même si j'ai déjà ces deux versions POTM, hein, en MG et en MD, donc au final, ça me servirait pas à grand chose. On a Javi Martinez, pourquoi pas, Verratti aussi, pourquoi pas, Subasic. Ouais, pourquoi pas aussi. Bref, on va s'occuper évidemment des récompenses de Division en premier. Et comme d'habitude, si tu souhaites des codes PSN ou des codes Xbox Live, je te conseille Star Select. Avec mon code, tu as 3% de réduction et tous les liens sont évidemment dans la description. Bon, sans te mentir, Division Rivals, je n'y joue plus. En fait, si tu veux, quand tu finis Fut Champion, bah, t'es tout le temps bien en fait en Division Rivals. T'as même pas besoin de jouer en fait en Division quand tu finis bien en Fut Champion. Enfin gros, j'ai pas joué de Division Rivals de la semaine. Et je reçois 8 packs. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Rang 2, Division 3, je crois, quelque chose. Je me souviens même pas, mec. J'ai aussi fait 3 packs Liga Upgrade, là, ou je sais pas quoi. Et alors, ils sont là. Donc, en gros, si tu veux, t'as 3 joueurs dedans. Ils sont tous or, mais t'as qu'un seul rare. Évidemment, on espère que ce soit Messi. Mais on va ouvrir ces packs-là en premier. Et on va commencer par... On va commencer par Murillo, joueur du FC Barcelone. Le Barça, d'ailleurs, qui a remporté le Classico, là, 3-0. Incroyable. Ils ont pas très bien joué. Et pourtant, c'est eux qui ont gagné. Et comme par hasard, on se chope un joueur du Real Madrid juste après. Ok, ok. Dans le deuxième pack, on a Correa. C'est bien du non-échangeable. Par contre, j'avais zappé en fait. Allez, le dernier pack. Oh, on a les panneaux pour le dernier pack. Oi, oi, oi. Diego Costa, 85 de général. Bah putain, bah, je m'y attendais absolument pas. Hein, parce qu'il n'y a que 3 joueurs hors dedans et avec un seul rare. Et notre rare à nous, dans le dernier pack, c'est Diego Costa, noté 85 de général. Excellent, on commence plutôt bien. Ah bah évidemment, on se chope Valero en doublon. Bah bien sûr, eh bah, de toute façon, on s'en bat les steaks. Honnêtement, on s'en bat les steaks, 85, c'est très très bien. Bon allez, on va s'ouvrir les packs à 15 000 crédits. On en a 4 et c'est parti pour le premier. Ok, Godze, 82 de général. Comme d'hab les mecs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu de la chance dans vos packs, que ce soit les packs de Division, les packs de Fut Champion, les cartes rouges aussi, hein. Mais moi, comme d'habitude, je vous souhaite zéro chance parce que j'aimerais bien aussi en avoir de la chance. Non, je déconne. En vrai, j'ai l'impression que plus je vous souhaite de la chance et plus vous allez rien avoir. Donc du coup, les mecs, je vous souhaite absolument pas de choper Messi. On va voir si ça va marcher, cette technique. Allez, deuxième pack à 15 000 crédits. Benedetto pour le deuxième pack à 15 000. En toute honnêteté, hein, je m'attends pas à grand chose de ces packs à 15 000 crédits. On fait ça assez rapidement parce que bon, les packs à 15 000 crédits, il y a surtout beaucoup, beaucoup de consommables. L'avant-dernier pack à 15 000 crédits. On espère choper quand même les panneaux dans ces packs-là parce que bon, là, voilà quoi. Il n'y a pas eu un seul panneau, donc... Oui. Oui, 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 c'est un panneau. Hé, au moment où je le dis. Allez, Brésil, MDC, Fabinho. Ah non, je crois que je l'ai déjà. Oh, j'espère que je l'ai pas. Oh merde, c'est du non-échange. J'espère que je l'ai pas déjà packé. Ouh. Oh, j'ai eu chaud. Je crois que j'ai dû l'utiliser dans le SBC de David Douy, si je dis pas de conneries. Ou alors je dis une grosse connerie. Ou... En tout cas, je l'ai déjà utilisé parce que je savais. Je m'en souviens très bien que j'ai déjà packé Fabinho comme ça en or régular, en non-échangeable. Avec un petit Dan. Oh, avec un petit Ombre et un petit David Neres. Juste, ouais, bon, David Neres, ça vaut pas le. Enfin voilà. Ok, c'est un jour 5 étoiles. Laissez-moi être content, les gars. On aura pas les panneaux pour le dernier pack à 15 000 crédits et ça va être. Gin, on va l'appeler Gin. Bon, il nous reste 4 packs, 2 packs méga rares et 2 packs prime joueurs mélangés avec 4 or, 4 argent, 4 bronze et c'est que des... ok, non, il y a 6 rares dedans, ok. On va ouvrir cela, donc c'est parti pour le premier avec une petite virgule. Nature Montréal, bon, on commence pas très très bien là dans ces packs-là, mais bon, ces packs-là, de toute façon, il y a, bah, je viens de le dire, hein, il y a des joueurs argent, il y a des joueurs bronze, donc forcément, t'as moins de chances d'avoir du lourd dans justement les joueurs en or. Mais il y a quand même pas mal de cartes et il y a des fois quelques cartes argent qui peuvent coûter très cher. C'est toujours du non-échangeable hein, de toute façon, donc même si on tape du lourd dans les petits joueurs, comment dire, argent ou bronze, on peut pas les vendre malheureusement. Oh, c'est les panneaux ça. Bien sûr que c'est les panneaux. Zeko. Mais oui, Zeko. Bien sûr, Zeko. C'est du 85 encore. On a que des 85. C'est juste excellent. Moi qui avais dépensé pas mal de 85 dans les SBC OTW été là, je récupère déjà 3 avec Zeko, avec Fabinho et le dernier c'était Diego Costa. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que les 85 coûtent toujours un petit peu cher. Hein. Ouais, environ 10 000 crédits donc franchement c'est magnifique. 2 packs méga rares, mes amis. 2 packs méga rares. Le premier c'est parti. Ah, on l'ouvre direct. Là, avec la virgule, bien sûr.
Au moins l'animation aujourd'hui, t'as vu? Au moins l'animation, histoire d'être tranquille. Werner? Werner 84! Franchement, en fait, on se tape pas des joueurs de malades, on se tape des bonnes notes, et surtout aussi des bons joueurs. Et dis-toi que tout ça, j'ai rien fait pour l'avoir, hein. J'ai juste terminé mon fut champion. J'ai joué 0 match en Division Rivals, et on a tous ces joueurs-là. C'est juste incroyable comment, cette année, c'est super simple d'avoir des packs sans justement dépenser de l'argent. Allez, dernier pack de ces récompenses, Division Rivals, les mecs. On espère évidemment finir avec quelque chose de bien. On va le savoir tout de suite. Pas d'animation dans les récompenses de Division Rivals. On va terminer au moins avec les panneaux, donc ça c'est très très bien. Ouais, Serbie 83, bon c'est pas ouf, mais bon, on prend quand même. Hein. Allez, passons aux récompenses fut champion, comme vous le savez tous, hors 1, comme d'habitude, avec toujours les mêmes récompenses. Hein, voilà, 2 cartes rouges, 2 packs à 100k, 50 000 crédits et puis les points de qualification pour fut champion. Bon, en toute honnêteté, il y a quand même... Voilà, si on n'a pas Messi, c'est pas trop grave, mais j'aimerais bien avoir Zaha, Sancho, hein, pourquoi pas. Sancho, il est noté 82 de général, donc ça peut être facile à avoir, après on sait jamais. Et puis sinon, bah des bonnes notes, quoi. Voilà, du 84, du 85, etc, etc. Bref, c'est parti pour le premier choix joueur. Ouais. Ouais, c'est pas de bonnes notes, c'est pas des joueurs qui m'intéressent. Ouais, Mena, Mandy, Antonio. Ouais, Antonio, il a une carte sympathique, mais sans plus, j'ai envie de te dire. C'est chaud, mais les cartes rouges, en général, ne servent plus à rien. Même dans les SBC, elles sont pas utilisables. Genre, dans les SBC Icon, EA pourrait nous demander, au lieu des cartes informe, justement, des cartes rouges. Mais non, ils veulent tout le temps des cartes informe. Du coup, les cartes rouges, elles servent à rien, à part si tu chopes, justement, des joueurs qui peuvent améliorer ton équipe ultime, ou, justement, qui peuvent t'intéresser pour faire des équipes fun. On va prendre Antonio, deuxième choix joueur, c'est parti. Oula oula, oula oula, alors Subasic ou, putain on a rechopé Mandy et Mena, non mais n'importe quoi, Subasic de le Fou. Est-ce que là il faut choisir la note ou alors le joueur qui est intéressant? Moi dans mon club, en buteur de première ligue, je suis déjà complet, et en toute honnêteté, si je devais choisir un buteur en première ligue, voilà, je prendrais Rashford, hein, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Du coup, je vais choisir la note et je vais prendre Subasic. Bon du coup, on a deux packs à 100 000 crédits, où on peut avoir du lourd et on peut avoir l'animation, hein, parce qu'on l'a pas eu depuis le début de la vidéo, donc là, c'est le maintenant là, eSport c'est maintenant. C'est maintenant, on l'a dit, ok? C'est parti! On l'a dit, c'est maintenant! Oh, c'est une carte informe, pourquoi pas? Boli! Waouh, mais c'est une carte informe éclatée, noté 76 de général, oh là là, c'est dur! Le deuxième meilleur joueur, c'est un 82, t'es sérieux? Attends, en doublon, il y a au moins un 83 quand même, non? Wouah, c'est quoi ce pack à 100 000 crédits là? Mais en vrai, mais heureusement qu'on a eu les 85 juste avant là dans les packs non échangeables, parce que là, ce pack à 100k, il est clairement éclaté, il pue sa mère. Bon bah du coup, dernier pack à 100 000 crédits les mecs. Ouais, je vais pas vous faire attendre très très longtemps là pour l'instant, c'est pas très ouf hein, comme récompense, mais bon. Au moins, on finit avec l'animation. C'est un Rakitic, j'aurais préféré Modric, mais bon, on prend quand même, évidemment qu'on prend. J'ai putain de merde, c'est la seule animation de... Bon, Rakitic, c'est bien, mais c'est pas un truc de malade, tu vois, y a pas de quoi sauter sur sa chaise et tout le bordel. Mais bon, on va dire, c'est déjà bien, tu vois. Voilà, c'est bien, j'ai envie de te dire, c'est moyen, c'est sans plus, je sais pas, c'est correct, on va dire, comme récompense. Bon, en tout cas, les mecs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu de bonnes récompenses, j'espère en tout cas, parce que moi, elles sont pas... Voilà, on a eu des bonnes notes, donc je suis assez content par rapport à ça, mais ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on n'a pas eu des joueurs, en fait, qui pourraient m'être utiles et qui pourraient, entre guillemets, m'aider à créer mon équipe ultime. Pour l'instant, c'est pas trop ça, puis en plus, EA, ils mettent 15 piges pour sortir les SBC icônes, et donc pour avoir Ronaldinho et tout ça, il y aura encore un bout de temps, les gars, ça va être encore très très long hein, pour créer notre équipe skill ultime, mais bon. En tout cas, les gars, n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous, c'est très important, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, les amis.